54 pays couvrant plus de 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique est une mosaïque de cultures et d'économies en pleine croissance. La croissance économique à venir dépendra de l'expansion des infrastructures, de l'amélioration des soins de santé et de l'augmentation des services municipaux. Un service souvent négligé qui dépasse les frontières politiques est l'élimination des carcasses et des déchets organiques, un service fourni par les vautours. Il n'existe pas un animal sur terre qui puisse faire aussi bien le travail d'écarissage que les vautours. If vultures disappear from the space, there will be lots of carcasses there. Where are we going to take them? Les vautours africains parcourent le continent. De nombreuses espèces se déplacent rapidement sur de longues distances, identifiant les carcasses dans les airs alors qu'elles suivent des troupeaux d'animaux tels que le gnou et les zèbres. Le percnoptère égyptien peut faire plus de 6000 km lors de sa migration deux fois par an. Voici les chemins parcourus par quatre individus. Le vautour charognard parcourt de plus courtes distances. En Afrique de l'Ouest, on le trouve surtout dans les villes où il élimine des charognes et d'autres déchets. Ici, deux individus travaillent dans des communautés en Gambie. Le vautour à dos blanc plane au-dessus de la savane, couvrant de vastes étendues à la recherche de nourriture. Cet individu a volé de la Tanzanie au Botswana en l'espace de 4 mois. Les vautours sont des charognards particulièrement spécialisés et efficaces. Leurs estomacs, fortement acides, neutralisent les bactéries présentes chez les animaux en décomposition et malades. We understand they're not pretty, but they provide a vital service, and that service is they get rid of carcasses, which would potentially spread diseases to livestock, to other wildlife, to humanity. And they provide this service for free. Et pourtant, ces créatures qui jouent un rôle négligé dans notre économie constituent l'un des groupes d'oiseaux terrestres les plus menacés de la planète. Mali. Les vautours charognards qui nettoient les déchets dans les décharges n'ont plus été vus à Bamako depuis 2003. Au cours des 50 dernières années, ils ont diminué de 83% à travers l'Afrique. Angola. Les vautours à dos blanc, qui jadis éliminaient les carcasses de gnous, ont disparu du pays. Ils ont diminué de 90% à travers le continent. Tchad. Les vautours à tête blanche sont presque entièrement confinés aux zones protégées. Dans toute l'Afrique, leur population a chuté de 96%. Soudan. Les vautours de Rupel, comme tous les vautours, mettent jusqu'à 6 ans à atteindre la maturité sexuelle et quand ils se reproduisent, ont peu de progéniture. Leur population diminuée de 97% à travers l'Afrique. L'effondrement des populations de vautours est généralisé et commun. Nous vivons actuellement au cœur de la crise du vautour africain. Un événement d'envergure aux causes multiples. Perte d'habitat pour la nidification, le perchage et la recherche de nourriture, le commerce de parties de corps du vautour et les électrocutions et collisions avec une infrastructure énergétique en pleine expansion sont des questions clés. Mais la plus grande menace pour les vautours africains est le poison, contribuant à plus de 60% des décès de vautours. If we manage the issue of poisoning, then we have managed a bigger percentage of the threats that are affecting vultures. Les vautours sont particulièrement vulnérables à l'abus de pesticides toxiques bon marché, car des centaines d'entre eux peuvent se nourrir involontairement d'une seule carcasse empoisonnée.
Finalement, ces toxines traversent l'écosystème, menaçant les autres espèces sauvages, se frayant un chemin dans le sol et l'eau de nos communautés. If the elephant is poisoned, for example, then vultures can feed, lions can feed, jackals can feed, so a whole lot of animals can die. Et lorsque une carcasse est intoxiquée et empoisonnée, ce n'est pas seulement les vautours qui sont intoxiqués. Il y a aussi toute une gamme d'autres animaux, voilà, qui sont parallèlement tués. Des bousiers et même certains micro-organismes qui font aussi bien le travail de charognards qui sont éliminés. It's a huge risk that people really don't understand. It's not only going to affect vultures, it's not only going to affect carnivores, it affects livestock, it eventually affects humans. À mesure que les vautours déclinent, les services qu'ils fournissent déclinent également. Et en l'absence de vautours, le nombre de charognards moins spécialisés pourrait augmenter. Les scientifiques pensent que les conséquences pourraient être considérables. Ces charognards de moins efficacité que sont les rats, et les mouches, et les chiens errants, peuvent être des sources potentielles donc de transmission de maladies humaines et animales. As vulture populations further decline, you're looking at consequences for environmental health, you're looking at consequences for the spread of diseases, but also the aesthetic value that vultures bring both for tourism and culturally. Les vautours de l'Afrique se déplacent à travers le continent, maintenant efficacement des environnements équilibrés. Les experts craignent que ce qui remplace le travail des vautours soit coûteux pour les écosystèmes et les communautés humaines. Si les vautours venaient à disparaître, donc les communautés locales seraient obligées de mettre en place un système de carcassage avec un personnel à prendre en charge, et des véhicules et du carburant. Et tout ça, ça sera à la charge du contribuable. You cannot think about all these wildebeest carcasses lying all over the place, livestock. No vultures to clear them. Unimaginable. En 2017, la Convention sur la conservation des espèces migratrices a élaboré un plan d'action fondé sur des bases scientifiques pour protéger tous les vautours africains à travers le continent. It is very important for countries, for governments, for communities to collaborate because it's a species that cuts across borders, it's a species that covers a huge range, so we need to collaborate. Le plan d'action multi-espèces fournit un cadre harmonisé pour le rétablissement des vautours. Il identifie les menaces régionales et les mesures que les gouvernements peuvent prendre. Par exemple, le plan présente des stratégies spécifiques à chaque site dans le but d'aider à gérer le déclin de la population due au commerce des animaux, à développer une infrastructure énergétique respectueuse des oiseaux, et à éliminer l'utilisation à grande échelle de poisons. Des populations de vautours en bonne santé et les services écosystémiques qu'ils offrent protègent nos communautés, notre environnement et notre futur développement économique à l'échelle nationale et continentale. L'importance d'une espèce, le plus souvent, on le reconnaît lorsque l'espèce disparaît. En un peu plus de 9 minutes, ce groupe de vautours à dos blanc a fait ce qu'il fait depuis des millénaires. Il a nettoyé et transformé une carcasse provenant de la communauté gratuitement. Qu'il n'est pas tard et qu'il faut agir parce que le niveau de déclin des vautours africains est certes élevé, mais on a une marge de manœuvre si nous entreprenons des actions fortes et urgentes. Espèces partagées, priorités partagées, une vision partagée pour l'avenir. C'est maintenant qu'il faut agir. Pour savoir ce que vous pouvez faire, veuillez consulter le plan d'action pour multi-espèces ou son résumé en ligne.